Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanay. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boinet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Sans transition, je voudrais lire avec vous dans Genèse, au chapitre 26. Genèse 26. On va lire jusqu'au verset 6 pour commencer. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. » Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alors dans ce passage, vous l'aurez compris, on va parler d'Isaac. Et Isaac, ce passage nous le rappelle, est le fils d'Abraham. Abraham qui a reçu la promesse de Dieu. La promesse d'avoir un pays et une grande descendance dans lequel cette descendance pourrait s'épanouir. Nous le savons, nous, maintenant, avec beaucoup de recul, qu'Abraham a été bien plus que le père d'une nation. Les Écritures nous disent qu'il est le père de la foi. Amen. Qu'il a été fidèle. Et qu'à cause de cette foi, nous, aujourd'hui, nous sommes aussi au bénéfice de toute bénédiction que nous avons obtenue dans le ciel. Pourquoi ? Parce que notre Sauveur Jésus-Christ est issu d'Abraham. Amen. Isaac est l'héritier de la promesse. Quel bel héritage ! Héritier de ce que Dieu avait promis de faire à son père. Et à son tour, nous l'avons lu, Dieu promet de faire pour ce qu'il avait promis de faire à Abraham, il promet de le faire à Isaac. Et comme lui, il vit dans le pays, mais il ne le possède pas encore. Dieu lui dit, voilà, il faut que tu restes là, tout ça, ça va être à toi, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore à toi. Fais-moi confiance. Ce n'est pas toujours facile, hein. D'être conscient que Dieu fait des promesses, de presque pouvoir les toucher du doigt, mais de ne pas les posséder encore en réalité. Et puis vient une période de famine, du même genre qu'il est déjà arrivé de l'époque de son père. Et quand vient des moments difficiles, on peut être tenté d'aller trouver des solutions ailleurs. Et certainement, Isaac réfléchissait comme son père avait réfléchi à peut-être aller séjourner un temps en Égypte ou ailleurs. Mais on voit que Dieu va lui demander de rester là où il est et il est dit qu'il va demeurer pour un temps à Guérar. Guérar, en hébreu, ça veut dire lieu de séjour, un endroit où l'on reste pour un temps. Et à ce moment-là, Dieu lui apparaît et surtout lui dit de ne pas aller en Égypte, mais de rester vraiment à cet endroit. Alors, pour commencer, je dirais que déjà là, il y a une belle vérité pour nous. Nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. Amen. C'est notre promesse. Nous ne la possédons pas encore. Mais nous avons cette assurance qu'un jour, Dieu nous fera entrer dans la vie éternelle. Nous avons ça devant nos yeux, c'est une promesse. Dieu nous l'a promis, mais nous ne sommes pas encore entrés dedans. Et nous aussi, nous sommes dans un lieu de séjour. Sur cette terre, nous sommes là pour un temps. Et puis viendra le moment où pleinement nous entrerons dans ce que Dieu a promis pour chacun de nous. La finalité de cela, c'est la vie éternelle avec Dieu. Mais en attendant, nous devons vivre toutes sortes d'expériences et expérimenter toutes sortes de choses dans ce lieu de séjour ici-bas, sur cette terre. Vivre dans le monde, sans être du monde, peut nous amener parfois à vivre des choses compliquées, de l'opposition,
de la souffrance, du rejet. Ne pas toujours se sentir à sa place, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas réellement chez nous encore. Mais je crois que toutes ces choses, Dieu les a permises pour nous aider à mûrir, à grandir et à entrer avec toute la foi dont nous avons besoin dans ces promesses que le Seigneur nous a faites. C'est un processus de sanctification et de maturation. Durant son séjour à Guérar, Isaac, nous allons le voir, va apprendre beaucoup de choses. Et il va avoir des belles leçons qui vont le faire grandir et mûrir également dans les promesses que Dieu a pour lui. Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que si nous sommes ici dans un lieu de séjour, cela veut dire que nous n'avons pas tout à attendre du lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et que nous pourrions tomber dans le piège de dire que tout dépend d'ici-bas. La réalité, c'est que nous avons bien plus à vivre que seulement les choses que ce monde a à nous offrir. Parce que la promesse, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient et que nous sommes là seulement de passage. Tout ne dépend pas d'aujourd'hui. C'est ça notre promesse. C'est ça notre vision. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être co-ouvriers avec Christ, à avoir devant nous les promesses que le Seigneur a pour nous et à chercher dans ce lieu de séjour à agir comme le Seigneur attend que nous agissions pour que le royaume de Dieu s'établisse dans les vies, dans les cœurs, d'être des témoins, afin qu'au jour où le Seigneur reviendra, eh bien, nous puissions pleinement entrer dans ces promesses qu'il a faites pour nous. Dans les passages qu'on va lire juste après, on va lire la suite de l'histoire d'Isaac, on verra combien Isaac va passer beaucoup de temps à creuser des puits. Parce que sans eau, la vie est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous abstenir de boire. En général, personne ne me dit oui, parce que sinon vous ne seriez pas là. Sans eau, la vie est impossible. Surtout dans cette contrée dans laquelle il se trouvait, avec de fortes chaleurs, l'eau est quelque chose de vital. Et j'aimerais voir avec vous ce matin que nous aussi, nous sommes appelés à creuser des puits tout au long de notre vie dans ce lieu de séjour. Parce que nous avons besoin de cette eau vive pour tenir le coup et de pouvoir entrer pleinement dans les promesses que Dieu nous a faites. Et que si nous négligeons de creuser ces puits, alors eh bien, nous mettons en péril toute la promesse. Parce que si notre vie se termine, alors plus de promesses. Et c'est ce qui était en jeu là pour Isaac. Si Isaac n'avait plus accès à l'eau, si Isaac n'avait pas pris la peine de creuser les puits comme il était nécessaire pour lui, alors toutes les promesses de Dieu se seraient terminées avec Isaac. Mais gloire au Seigneur, il a fait ce qu'il fallait. Reprenons notre lecture, cette fois-ci au verset 12. Jusqu'au verset 14, donc Genèse 26 toujours. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Voilà, on s'arrête ici. Dans le lieu de séjour dans lequel nous sommes, eh bien, il y a la vie naturelle. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler la vie en surface. Cette vie naturelle, elle est bonne, Dieu l'a voulu. Et dans cette vie naturelle, il y a des bénédictions. On voit que dans cette vie, Isaac va prospérer. Tout ce qu'il fait semble lui réussir. Il va semer. Et ce qu'il a semé, Dieu va faire en sorte que ça en rapporte 100 fois plus. Ça, c'est un bon rendement, n'est-ce pas? On aimerait avoir aussi ce rendement dans tout ce que l'on fait. Que dès qu'on fait un petit quelque chose, ça produit 100 fois ce que l'on a fait comme effort. Je crois que Dieu veut nous bénir dans cette vie aussi matérielle, dans cette vie de surface, dans ce temps de séjour. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la bénédiction de Dieu n'est pas un dû. Dieu bénit parce qu'il fait grâce. Et que lorsque la bénédiction ne semble pas être au rendez-vous, est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'aime plus, que Dieu ne me bénit plus? La prospérité
est un message dangereux parce que beaucoup aujourd'hui seraient tentés de dire, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'avez pas beaucoup de biens, si vous n'avez pas des choses en abondance, alors c'est que la bénédiction de Dieu ne repose pas sur votre vie. Mais c'est oublier que des hommes de Dieu, eh bien, ont vécu des vies sans avoir une multitude de biens. Si on regarde la vie d'hommes comme Paul, qu'est-ce que nous enseigne Paul ? Paul nous dit, mais voilà, moi, quand j'étais dans l'abondance, je me suis réjoui, mais je me suis aussi réjoui dans la disette, parce que finalement, mon bien-être, ma bénédiction n'est pas ce que j'obtiens dans ce lieu temporaire, ma bénédiction, c'est d'avoir le Dieu qui bénit. Amen. Donc, Dieu n'est pas contre la bénédiction, Dieu n'est pas le fait que l'on soit confortable dans ce monde. Merci Seigneur pour les bénédictions et pour le confort que nous pouvons avoir dans ce monde. Mais il vient aussi des temps où parfois les choses se compliquent. Parfois où les choses ne se passent pas comme nous voudrions. Isaac était béni en tant qu'héritier de la promesse de Dieu, non pas parce qu'il méritait ses bénédictions, mais parce que Dieu avait mis sa faveur et sa grâce sur sa vie. Vous savez, nous aussi, nous sommes bénis. Et nous avons été bénis bien plus, et nous sommes bénis bien plus qu'Isaac, parce qu'en réalité, la promesse que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ est plus excellente que la promesse qui avait été faite à Abraham. Amen. Est-ce que vraiment vous êtes convaincu de ça? Abraham avait reçu une promesse, c'est vrai, mais ce n'était que le début qui permettait une promesse bien plus grande et bien plus supérieure. Nous avons été bénis en Jésus-Christ. Et la bénédiction qu'a reçue Christ, elle est pour nous aujourd'hui. Certes, ce n'est pas une bénédiction qui peut se voir tous les jours, ici-bas, sur ce monde en surface. Mais c'est une bénédiction dans les lieux célestes. Une bénédiction que ni les voleurs, ni la taille, ni la rouille ne peuvent nous enlever. C'est une bénédiction éternelle. Rien ni personne ne peut nous ôter cette bénédiction. Les bénédictions à la surface sont des bonnes bénédictions, mais nous pouvons nous les faire voler, nous pouvons nous les faire dérober, elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Mais la bénédiction qui est en Christ, elle est une bénédiction excellente. Juste, je voudrais vous citer Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Je vous le lis dans la version Parole vivante. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. » Je le redis parce que vous n'avez pas l'air d'avoir compris. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. » Amen. Toutes les bénédictions qui sont dans le ciel, nous les avons reçues en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contenait. Amen. Est-ce que vous pouvez mesurer la hauteur, la largeur du royaume de Dieu ? Non. Alors nous ne pouvons pas non plus mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur des bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Déjà rien que ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Nous pouvons vivre en paix devant le regard de Dieu et marcher avec lui parce qu'il nous a réconciliés avec lui. Quelle bénédiction extraordinaire! Et parce qu'il nous a réconciliés avec lui, nous pouvons nous entretenir dans cette communion avec lui et être dans cette espérance pour ce qui concerne la vie éternelle. Même si la vie en surface ici-bas, elle est compliquée et difficile, nous avons un avenir tellement meilleur. Je continue, verset 5. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants, par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu as été adopté par Dieu au travers de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Tu es fils et fille de Dieu. Et à ce titre, tu es co-héritier avec Christ de toutes les bénédictions qui ont été accordées à Christ dans le ciel. Amen. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans son amour éternel qu'il porte à son Fils. Amen. Nous sommes riches. On est riches. Riche de toutes les bénédictions qui sont dans le ciel. Elles sont pour vous et moi. Et déjà, même si nous ne sommes pas encore pleinement entrés dans cette vie éternelle,
dans la plénitude de la présence de Dieu, nous pouvons déjà être au bénéfice de bien des bénédictions là, maintenant, aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos vies. Mais pour cela, il ne faut pas tout miser sur cette vie en surface. Il ne faut pas tout focaliser sur cette vie dans ce lieu temporaire, dans ce lieu de séjour. Il y a des choses plus profondes à explorer, à vivre. Ces choses, ce sont des choses spirituelles. Reprenons notre lecture dans Genèse 26, à partir, donc on reprend au verset 14, la deuxième partie, jusqu'au verset 17. Donc ça s'arrête où Isaac est béni, il a beaucoup de biens, beaucoup de choses, Dieu a mis sa faveur sur sa vie. Et là il dit, aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Voyant la bénédiction qui reposait sur la vie d'Isaac, les Philistins devinrent jaloux de la bénédiction qui reposait sur sa vie. Et ils le chassèrent, et bien plus, ils bouchèrent les puits qui étaient sa source de vie. Ils remplirent de poussière eh bien, ces puits qui lui apportaient l'eau dont il avait besoin. Et je crois que c'est la même manière dont fonctionne encore l'ennemi aujourd'hui. Vous savez pourquoi ces ennemis d'Isaac ont bouché ces puits ? Parce que si ces hommes n'ont plus accès à l'eau, ils meurent. Et avec eux, l'accès à la bénédiction. Et le diable, lui, est jaloux de nous car il voit que nous avons un héritage qu'il n'a pas, une bénédiction qu'il n'a pas su avoir. Lui qui a voulu prendre la place de Dieu, lui qui a voulu siéger à la place de Dieu sur le trône, récolter toute la gloire et toute la bénédiction, il a tout perdu. Il a été précipité et il a été maudit. Et maintenant, nous savons, il a été vaincu. Il a été vaincu. Quel Dieu extraordinaire. La vraie bénédiction, je vous l'ai dit, n'est pas matérielle, parce que les choses matérielles passent, mais elle est spirituelle. Et pour la trouver, pour nous, chrétiens, il nous est nécessaire de dépasser les choses de ce monde, les choses de la surface, et de creuser pour aller trouver la source d'eau vive. Il faut creuser et chercher comme Abraham avait creusé pour trouver de l'eau. Dans la vie, si l'on s'arrête à la surface, on finit par se dessécher, se déshydrater et ne plus vivre selon les bénédictions qui sont pour nous. Il y a une vie plus profonde, plus importante, plus vitale. Et pour trouver cette vie, je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés jour après jour à la chercher, à la rechercher, à nous y abreuver, à l'entretenir. Parce que l'ennemi qui est jaloux cherchera constamment à boucher notre accès à l'eau vive. Il cherchera constamment à remplir nos puits de choses qui vont la combler et empêcher que nous puissions nous désaltérer, que nous puissions être au bénéfice de ces bénédictions et de ces richesses qui sont pour nous dans le ciel. Comment s'y prend-il ? Emploi du temps trop chargé ? Activisme ? Rejet de la vie de l'Église ? Matérialisme, difficultés financières, problèmes de santé, etc., etc. Et toutes ces choses peuvent venir comme boucher nos puits et empêcher l'accès à l'eau vive. Cette eau vive dont nous avons besoin pour que notre âme prospère. C'est comme de la poussière qui ne fait que s'accumuler, qui transforme au début cette eau vive en boue, et puis à force de laisser cette poussière s'accumuler, recouvre complètement l'accès. Et plus d'eau n'est accessible. Sur terre, je crois qu'en tant que chrétiens, si nous négligeons notre vie spirituelle et que nous laissons les choses de ce monde envahir nos vies, nos cœurs, boucher nos puits, s'immiscer dans notre existence, alors nous perdons en réalité ce qui nous est essentiel. Parce que ce qui est essentiel pour vous et moi, ce n'est pas les choses d'ici-bas, mais ce sont les choses d'en haut. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul nous invite à chercher d'abord les choses d'en haut. Là où Christ est assis dans les lieux célestes. Là où nous avons été bénis de toute bénédiction.
Est-ce que tu prends bien soin, chaque jour, de maintenir ton puits accessible, d'enlever toutes ces choses que l'ennemi cherche à y déverser, afin d'avoir toujours un accès libre à cette eau vive qui est disponible pour toi. Verset 18, il est dit « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. » On voit ici qu'Isaac ne va pas chercher à aller creuser des nouveaux puits. Il va creuser exactement au même endroit où son père avait déjà creusé. Et il va renommer ses puits de la même manière que son père avait donné exactement les mêmes noms. Et je crois que cette information, elle est importante parce que nous pourrions être tentés parfois, quand nos puits sont bouchés, d'aller creuser ailleurs, d'aller trouver de l'eau vive ailleurs que là où elle est réellement, d'aller trouver quelque chose pour nous satisfaire au fond de nous, ailleurs que là où Dieu nous a dit c'est là qu'il faut creuser, c'est là qu'est la bénédiction, c'est là qu'est l'eau vive. Mais Isaac, héritier de la bénédiction, est aussi héritier du travail et de l'œuvre de ce que son père avait fait. Et il s'est dit, mon père a trouvé de l'eau ici, c'est ici qu'il faut creuser, parce que certainement c'est là qu'il y a de l'eau. Peut-être l'ennemi a fait quelque chose, peut-être il a rebouché, mais c'est exactement là qu'il faut que je creuse. Nous ne pouvons pas chercher l'eau vive ailleurs que là où déjà elle a été révélée. Vous savez comme moi qui est l'eau vive ? C'est Jésus. Et nous pourrions être tentés d'aller chercher quelque chose pour nous désaltérer ailleurs qu'en Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que seul Jésus-Christ est capable de désaltérer notre âme. Seul Jésus-Christ est capable de nous faire bénéficier de ses bénédictions, parce que c'est en lui que nous sommes bénis. Et si je vais m'abreuver mon âme ailleurs qu'en Christ, alors peut-être j'aurai des bénédictions en surface, mais ce ne sera pas l'eau vive qui donne la vie éternelle. Ce ne sera pas l'eau vive qui me permettra d'entrer pleinement dans les promesses et les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. C'est seulement ce que nous avons reçu en héritage qui compte. Et Isaac a reçu en héritage les puits qu'Abraham, son père, avait creusés, même si entre-temps l'ennemi a voulu les boucher. Isaac a récupéré ce que l'ennemi lui avait volé. C'est important ça. Parce que l'ennemi cherchera toujours à nous dérober ce que Dieu nous donne. Parce qu'il veut nous en priver. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Quand on cherche à creuser, à accéder à cette eau vive, c'est pas toujours facile, parce que l'ennemi nous cherche querelle. Il cherche à se disputer avec nous. Il veut faire tout pour nous empêcher d'accéder à cette eau vive. Il veut que nous nous contentions d'une vie en surface, d'une vie superficielle. Et vous savez, dans notre corps et dans notre âme, on peut trouver le bonheur ici-bas. Il y a plein de gens qui se contentent de ce bonheur-là. Dis-moi, j'ai du confort, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et ils négligent les besoins de leur esprit. Ils se contentent des choses de ce monde. Mais la réalité, c'est que l'ennemi voudrait nous maintenir dans cette illusion. Mais la parole de Dieu nous révèle que nous avons besoin, pour notre être intérieur, de cette eau vive. Sans quoi nous aurons toujours soif. Il nous en faudra toujours plus. Et nous pourrons essayer d'avoir tout ce que la terre pourra nous offrir. Jamais notre cœur ne sera réellement contenté, parce que seul Christ peut nous désaltérer. Mon esprit a besoin d'eau vive pour grandir et s'épanouir. Le diable
Lui veut à tout prix nous amener à vivre de cette manière et pour nous décourager de continuer de creuser, de puiser là où c'est nécessaire, eh bien, il nous cherche querelle, il s'oppose à nous. Querelle, c'est échec. En fait, le premier puits, il l'appelle querelle et le deuxième, il l'appelle opposition, lutte. Pour se rappeler de quelle manière l'ennemi agit envers lui. Et tout cela a pour objectif de constamment chercher à boucher nos puits. Vous savez que la racine de Sitna, qui veut dire donc opposition, lutte, c'est la même racine pour Satan. Le diable, ça veut dire calomniateur. Et Satan, ça veut dire accusateur. Satan, c'est celui qui calomnie, qui accuse, qui cherche querelle. D'ailleurs, dans Apocalypse 12, verset 10, il est dit que Satan, c'est l'accusateur des frères. Il vous cherchera toujours querelle. Il cherchera toujours à vous décourager. Il cherchera toujours à tout faire pour vous éloigner de cette eau vive qui vous fait tant de bien et qui vous amène à entrer et à goûter aux bénédictions de la vie éternelle. Et souvent, c'est par notre propre chair que ça commence. Avez-vous déjà expérimenté le fait d'être résolu dans votre esprit de passer un temps avec Dieu? Et au moment où vous le voulez, il se passe soit vous êtes perturbé, il y a quelque chose qui vous dérange, ou soit vous avez perdu l'envie, vous n'avez pas envie, vous avez juste envie de faire autre chose. Juste envie de vous reposer, de vous prélasser. C'est comme si ça vous coûtait quelque chose. Mais mes amis, creuser un puits, c'est fatigant. Ôter la poussière, c'est fatigant parfois. C'est aller à l'encontre de quelque chose de naturel. Mais justement, Dieu nous invite à quitter ce qui est naturel pour entrer dans ce qui est spirituel. L'eau vive est à disposition, mais si nous ne faisons pas mourir ce qui est de la chair, alors oui, la chair nous empêchera toujours. Elle n'aura jamais envie, elle ne sera jamais disposée, parce que la chair ne veut pas et elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Mais il nous faut nous soumettre à l'esprit, parce que par l'esprit, nous faisons mourir les œuvres de la chair. Et si je me soumets à l'esprit, alors je n'accomplis plus les désirs de ma chair. L'eau vive est quelque chose de vital. Et si nous ne prenons pas soin de la chercher quand nous en avons besoin, sur une base régulière, alors nous laissons des choses s'immiscer et boucher petit à petit le puits, ce qui fait que parfois nous nous retrouvons comme coupés de l'eau. Est-ce que vous êtes déjà senti sec dans votre vie spirituelle ? Sec, desséché, comme s'il n'y avait plus rien au fond de votre être, c'est parce que l'ennemi a bouché le puits. Et il nous invite à déboucher ce puits, à creuser pour trouver cette eau vive, parce qu'elle est là, elle est disponible, elle est disposée à se laisser boire pour nous désaltérer et nous rendre accès à la bénédiction et à la promesse. Vous savez, parfois, déboucher le puits, c'est se faire violence, être discipliné. Je vous pose la question, comment est-ce que tu t'organises pour que ta relation avec le Seigneur s'épanouisse? Est-ce que tu obliges ton agenda à avoir un moment avec le Seigneur tous les jours? Quels garde-fous, quels outils tu mets en place pour que les puits soient toujours dégagés? Isaac avait des serviteurs, et c'est les serviteurs qui creusaient. Nous pouvons avoir des serviteurs. Je parle par exemple de la discipline déjà personnelle, c'est un bon serviteur. D'un plan de lecture peut-être. Avoir une discipline dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu, c'est un bon serviteur aussi. Un temps de prière régulier où quoi qu'il se passe, qu'il vente, qu'il neige, de tel moment à tel moment, c'est pour le Seigneur. Ça aussi, c'est un bon serviteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir esclave du serviteur. Comprenez ce que je veux dire? Ça ne doit rester que des serviteurs. Mais ils sont là pour nous aider à accéder à l'eau vive dont notre âme a besoin. Continuons notre lecture, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réhoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Isaac, jusque-là, a fait preuve de constance et de détermination. Et nous avons une leçon à prendre de ça, la constance et la détermination.
Parce que c'est dans la constance et la détermination que nous aboutissons à quelque chose. L'ennemi ne cherche qu'une chose, c'est nous décourager et nous arrêter. Mais si nous sommes déterminés et constants dans nos efforts, cela paye. Et cette attitude de cœur d'Isaac va payer pour lui. Car vient un moment où l'ennemi s'en va. Vient un moment où l'ennemi n'a plus accès, ne peut plus chercher querelle, ne peut plus s'opposer. Il est dit que Dieu l'a mis au large. Jacques va le dire autrement. L'apôtre Jacques dira « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Le diable a été vaincu. Et nous sommes héritiers de cette victoire. Nous sommes héritiers de cette victoire. Et si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, que nous sommes déterminés à boire jour après jour à cette eau vive, à nous soumettre à ce que le Seigneur nous enseigne, eh bien, vient un moment où l'ennemi n'a aucun accès. Si nous faisons mourir la chair, sur quoi l'ennemi va-t-il avoir un impact ? Aucun. Parce que si nous sommes morts en Christ, alors l'ennemi n'a plus aucun accès à notre vie. Et c'est là notre position spirituelle. Nous sommes morts en Christ et ressuscités en lui. Vous savez, Jésus dans le désert, il nous a montré l'exemple. L'ennemi est venu lui chercher querelle. 3 fois. Mais il a résisté. Parce qu'il s'est soumis d'abord à la volonté du Père. Il est écrit. Et l'ennemi a fui. Il n'a pas su résister à la vérité. Dieu met au large. Dans le désert, Jésus aussi a été mis au large. Il est dit que quand l'ennemi a fini par partir, eh bien, les anges sont venus et l'ont servi. Un temps de repos, un temps de mise au large, avant d'entrer pleinement dans l'action et le ministère qui était le sien. Oui, je crois qu'il y a des temps de combat, des temps de lutte, des temps de querelle, des temps où finalement, ce n'est pas toujours si simple que ça. Mais je crois aussi que Dieu permet même dans ce temps de séjour, des temps de mise au large, des temps où notre âme prospère, des temps où nous grandissons, des temps où nous croissons, des temps où Dieu nous fait du bien et nous permet de bénir les autres. Et même au milieu de la tempête, Dieu nous fait du bien aussi. Mais pour ça, il faut persévérer, creuser les puits, coûte que coûte, et Dieu nous permet d'aller plus loin, de grandir, de prospérer. Il élargit notre zone et nous permet vraiment d'avoir une plus grande influence encore, là où il nous a placés. J'arrive presque à ma conclusion. Continuons notre lecture, verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. On excuse son prénom, et ce n'est pas sa faute, ce n'est pas lui qui a choisi. Celui qui est constant dans sa démarche avec Dieu produit un témoignage puissant. Amen. Et Isaac, à cause de sa constance, à cause de sa foi et de sa persévérance, eh bien, impressionne ses ennemis. Si bien qu'ils vont venir vers lui et qu'ils vont chercher à faire une alliance, à trouver la paix avec lui parce qu'ils savent qu'il est plus fort qu'eux. Parce qu'il a veillé à avoir justement constamment accès à l'eau vive, Dieu l'a fait grandir, prospérer. Et cela va vraiment avoir un impact autour de lui. Continuons notre lecture, verset 32, à partir du verset 27, pardon. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est important ça comme phrase. « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Mon frère, ma sœur, si tu persévères à avoir accès à l'eau vive dans ta vie jour après jour, les gens verront que l'Éternel est avec toi.
Les gens verront la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Parce que ce soit dans la tempête, que ce soit dans la querelle, que ce soit dans la confusion, que ce soit dans n'importe quelle situation de ta vie, parce que tu auras été constant à chercher là où c'était nécessaire les ressources pour ta vie, alors tu vas prospérer et Dieu va te bénir. Et ta bénédiction rejaillira sur ceux qui t'entourent. Amen. Parce que finalement, notre bénédiction à nous, c'est quoi ? Aujourd'hui, là, dans ce lieu de séjour, c'est quoi notre bénédiction ? Est-ce que la plus belle des bénédictions, ce n'est pas de voir d'autres s'approcher du Seigneur comme nous ? De pouvoir leur partager les richesses et les bénédictions qui sont en le Seigneur Jésus-Christ ? En disant, mais il y en a aussi assez pour toi. Toi aussi, tu peux prospérer. Toi aussi, tu peux être béni de toutes ces bénédictions qui sont en Christ. Alors, ce qui est marrant dans ce passage, c'est que... J'ai peut-être pas fini ma lecture, excusez-moi. Je me suis arrêté où ? Voilà, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Bon, là, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais bon, ça, c'est souvent l'ennemi qui arrondit les angles. De même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons seulement fait du bien et que nous t'avons laissé partir en paix, tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau » et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Isaac, finalement, n'a fait que retrouver et reprendre les puits que son père avait creusés. D'ailleurs, c'est à ce même endroit, Beersheba, qu'Abraham, des années auparavant, avec les mêmes personnes, avait fait une alliance. Il avait mis 7 brebis de côté. Et les offrant à Abimélec comme gage que tous les puits que Abraham de son vivant avait creusés appartenaient bien à Abraham, étaient issus de son héritage et n'appartenaient plus aux autres. Vous connaissez la suite de l'histoire maintenant. L'ennemi a repris pourtant ce pour quoi il s'était engagé à le laisser à Abraham et à sa descendance. Mais là encore une fois, nous sommes au même endroit, bien des années après, une génération après, les mêmes acteurs à part que c'est plus Abraham mais Isaac. Et là, à nouveau, il y a une alliance. Isaac va donner à ce puits le nom de Shibéa. Ça veut dire puits du serment, puits de l'alliance, ou on pourrait même dire puits de Seth. Pourquoi Seth ? Parce que Seth, c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la perfection de Dieu. Cela symbolise une œuvre terminée, comme pour la création. Amen. Et on peut voir qu'Isaac, à partir de ce moment-là, entre dans le repos. Et il n'y a plus besoin d'un autre puits. Il est arrivé à ce que l'œuvre soit pleinement accomplie et qu'il n'y ait plus besoin de creuser ailleurs parce que celui-là répond pleinement à tous ses besoins. Amen. L'image qui est là pour nous, c'est que l'œuvre qui a été parfaitement accomplie, ce n'est pas vous et moi qui l'avons accomplie, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite qui est suffisante pour pourvoir à tous nos besoins. Et quand on a accès à cette eau vive-là, on n'en a pas besoin d'autre. Tout est accompli. Jésus lui-même se définira en ces termes. Jean 4, 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi-même, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Jean 7, 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le Seigneur ne veut pas nous donner des gouttes. Il veut qu'il y ait un fleuve d'eau vive qui abonde dans notre vie. Mais pour ça, il faut être connecté à l'eau vive. Il faut dépendre de cette eau vive jour après jour.
Isaac a fait une alliance qui lui a procuré la paix pour le reste de sa vie. Mais Christ, lui, qui a accompli une œuvre parfaite, a contracté une alliance bien plus excellente pour nous, qui nous donne la paix avec Dieu, qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis, qui nous donne une espérance et un accès à toutes les bénédictions dont on a entendu parler tout à l'heure quand nous avons lu le passage d'Éphésiens. J'aimerais le relire juste une dernière fois. Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivions dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. » Quelle promesse extraordinaire! Quelle bénédiction extraordinaire! Mon frère, ma sœur, Dieu a tout fait pour que nous ayons accès à l'eau vive. Mais il nous faut malgré tout veiller jour après jour à ce que notre accès à cette eau vive soit préservé. Et ça, c'est notre part. Jésus ne peut pas forcer les gens, qui que ce soit, à aller boire à l'eau vive. Mais une chose est sûre, c'est que l'ennemi cherchera constamment à faire en sorte que tu n'ailles pas à l'eau vive. Jésus est tout ce dont tu as besoin. J'aimerais qu'on prie quelques minutes ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, elle nous désaltère. Seigneur, nous sommes conscients que la vie ici-bas, dans ce lieu de séjour, est pleine de pièges et que l'ennemi cherchera constamment à nous éloigner de toi. Mais Seigneur, en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, tu connais nos vies, nos difficultés parfois à aller boire tous les jours, nos difficultés à entretenir ce puits, Seigneur, parce que nous sommes négligents et faibles, Seigneur. Mais je prie vraiment que ton esprit, qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour, vraiment nous anime, Seigneur, davantage, afin que nous œuvrions, Seigneur, à ce que ce puits reste intact. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Seigneur, nous pouvons, c'est vrai, passer toute notre vie dans ce monde, Seigneur, mais nous pouvons passer aussi à côté de l'essentiel. Rechercher les choses qui n'ont pas d'importance. Mais Seigneur, ta parole nous dit que toutes les réelles bénédictions ne sont pas ici-bas, elles sont auprès de toi. Et qu'en toi, nous en sommes héritiers, que nous pouvons avoir accès à ces choses dès à présent, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous aides, Seigneur, nous, ton peuple, à aller boire auprès de toi jour après jour, à chercher jour après jour, à désaltérer nos cœurs et nos âmes auprès de toi, afin que nous prospérions dans notre vie spirituelle et que vraiment nous soyons les acteurs de la promesse, Seigneur. Et que beaucoup d'autres, Seigneur, puissent entrer avec nous, Seigneur, dans cette promesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, laisser l'ennemi nous quereller, mais aide-nous à résister, à être sages, à être persévérants et constants dans notre marche avec toi, dans notre vie spirituelle. Parce que, Seigneur, si l'accès est comme bouché, Seigneur, alors nous avons tout perdu en réalité. Je prie pour les cœurs secs et vides ce matin, Seigneur. Je prie que tu visites et que tu parles et que celles et ceux qui ont négligé cette part de leur vie et de leur marche avec toi retrouvent cette intimité, cette communion avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans les vies, dans les cœurs, et que ta parole produise son fruit maintenant, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, avant de passer aux annonces, j'aimerais demander à l'équipe pastorale de venir devant. On va prier pour Jacques et Solange. Jacques et Solange ont demandé la prière parce que Jacques a perdu sa maman la semaine passée. Alors, Jacques avait demandé l'onction d'huile, mais on ne va pas faire l'onction d'huile parce que deuil, d'être une source de force pour leur famille, pour leurs proches, parce qu'on sait que... J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas aimé ou que tu as une question, n'hésite pas à nous le faire savoir également. Si tu utilises l'application Encore, tu as la possibilité de nous laisser un message vocal directement ou même un témoignage que nous pourrions utiliser dans un prochain épisode. Nous avons besoin de toi pour rendre ce podcast plus visible. Parle-en autour de toi et partage-le sur tes réseaux sociaux préférés. Tu peux aussi aller sur iTunes et nous mettre une bonne note afin que plus de personnes puissent nous trouver. Alors rendez-vous au prochain épisode. Sois béni, à bientôt.